1, 2. 1, 2. Ah, bon. 1, 2, testing. Donc, merci. Une meilleure applaudissement pour Éric Falardeau. Merci. Merci. J'aimerais accueillir sur scène l'actrice principale du film, Madame Kaden Rose. L'acteur principal du film, Monsieur David Toussignan. Monsieur Patrick Grissette au son. Marie-Josée Lamontagne, assistante à la production. Fauve Paradis et Véronique Poirier, assistante de direction artistique, pardon. Est-ce qu'on a tout le monde? On a tout le monde, je pense. Parfait. Eh bien, merci d'avoir regardé le film et... J'espère qu'il y a des questions pour les membres de l'équipe. Est-ce que quelqu'un dans la gang a quelque chose à dire avant? You want something to say before you know? OK. So, yeah. Si on peut en fait commencer, moi j'ai une question. Un film comme ça qui est tellement sur le rapport qu'on entretient avec notre corps, dans le fond, puis le rapport intime qu'on entretient, en fait, je me demandais, puis je veux pas te poser une question personnelle, mais ça doit venir de quelque part. Puis dans le fond, si on peut parler de la genèse de ce projet, puis je sais aussi que t'as beaucoup fait de recherche en fait sur le corps, puis les fluides corporels, puis notre rapport en fait à ça. Si on peut parler de la genèse du projet dans cette direction-là, ça serait un bon début, je pense. For those who speak English, don't worry, I'll just say it right afterward my answer, okay? Essentiellement, le film provient de plusieurs sources. La principale étant que, j'ai fait mon mémoire de maîtrise sur, c'est toujours la même histoire, là, c'est sur les fluides corporels dans le cinéma gore et pornographique. Ça fut bien des heures de visionnement et de plaisir, comme vous pouvez vous en douter. Donc j'ai eu à lire beaucoup aussi sur tout le rapport anthropologique, l'ethnographie, psychologie, et puis pour ceux qui sont en théorie, bien entendu, les Kristeva, les pouvoirs de l'horreur, etc., l'abjection, blablabla, blablabla, bla, bla, tous ces beaux concepts-là. Et puis, en travaillant sur mon mémoire de maîtrise, j'ai eu une conversation avec mon ex à l'époque où on faisait des blagues et puis on est arrivé avec l'idée de quelqu'un qui pourrit de l'intérieur et on trouvait ça bien drôle. Puis, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mais bon, ça me reste en tête et avec le temps, finalement, en travaillant, j'ai mélangé les deux, tout s'est mélangé ensemble, puis ça a donné la thanatomorphose qui vient aussi de en fait, on écrit toujours à propos de ce qu'on connaît, là. On parlait. On écrit toujours à propos de ce qu'on connaît, donc j'ai écrit beaucoup à propos des films que j'aime, justement ces thématiques-là sur lesquelles j'ai travaillé longtemps, il y a une partie de moi dans le film, bien entendu, donc ça part de soi. Donc c'est un peu un amalgame de tout ça qui a donné le résultat final. Et puis après ça, j'ai fait beaucoup de recherches aussi sur, justement, la thanatologie. Mais pas juste l'aspect décomposition physique, mais justement là, tout ce qui a été au niveau développement de cette science-là, au niveau de l'étude du corps et puis de la pourriture, mais aussi des relations par rapport à la mort et au corps mort. C'est un Français là, qui s'appelle Louis-Vincent Thomas qui a un peu défriché ce champ d'intérêt-là et qui a beaucoup, beaucoup étudié tout ça. Long answer short in English, because it was a bit long, but essentially the idea came from the film that I like, a little bit of myself, obviously, or not, and my thesis at the university where I've worked on body fluids and gore film and porn films, and essentially it all mixed together and that's the result, yeah, pretty much it. Thank you.
Also, for Kaden, I'll switch to English. I appreciate it. Yeah, no problem. How, just in terms of technically, and the rest of the team can elaborate, I can imagine a film like that must be pretty grueling on the kind of on the makeup and the preparation side, and I just wanted to, if you could speak to that a little bit, the process of the composition and the kind of the acting and the getting ready for all of that. How? He's laughing, and he's laughing for good reason. It started out with bruises primarily and just sort of painting it on, and as it progressed, it obviously became a lot more extensive, so, you know, makeup in the morning could take anywhere from 3 to 6 hours. And then, of course, you're in it for a good 18 on top of that, or however, you know, 18 total after that point. So, you know, you start to take it off at the end of the day, and it's caused rashes because it's trapping, it's all latex and trapping all, you know, your sweat in between your skin. And let's just go with it's really unpleasant. But, you know, the process itself is extremely extensive, and it takes a really long time to do the makeup that you see towards the end as opposed to the beginning. And it was a lot of work on the part of David, our special effects guy. David Scherer, which is a French guy, and Rémy Couture, too, who made some special effects on the film. And also to stress out, the image was a bit dark. It isn't as dark usually, so you could see a little bit more special effects if you watch it again, or maybe on DVD, or I don't know what. But Véronique and Fauve helped a little bit David with the makeup, so maybe they have something to say about that. I'll start in French. It was supposed to be filmed. I don't know if I can say that. Yep. It was supposed to be filmed chronologically. And finally, it wasn't exactly the case. So it was very hard to keep track of each and every bruises that she had, and to make them the same again each day, and so on and so on. So we had to take a lot of pictures and try to, to make it the same each day. It was harder than I thought. Wasn't easy. I noticed a couple of mistakes, but it's not that bad. It was a group effort too. It was sort of a thing where everyone was like, wait, I think that bruise was slightly different. Yes. Maybe you should check it. Yeah. And David did a lot of work at the end, but we could help him with the pictures and from each take, just to add a little something where when is her beautiful skin shows too much, we had to hide it and stuff. So it was a great experience to help David do that, in fact, and to make to dirty up the scene each day with our own foot and hands and just walking around the set, putting gore everywhere. No, it was fun. Do you want me to do it in French too? Yes. J'avais une question. Oui. Le matériel que tu utilises pour faire le substitut, le sang, tout ça, est-ce que tu as utilisé du matériel aussi, substitut nutritif de la nourriture? Ou beaucoup. C'était juste beaucoup, hein? Beaucoup. Parce que je regardais ça, puis il me semblait que ça ressemblait à. Maybe at the beginning, but like jam or something like that. You know, like, it looks like so. Well, c'est en fait, un peu compliqué ouais, que ça. Ouais. On a commandé en fait, c'est pour que ça soit comestible et que ça soit pas dangereux pour la peau, les yeux, tout ça. Avec David et Rémy, on a commandé. En fait, la question, pour ceux qui l'ont peut-être pas entendu en arrière, c'était est-ce que les produits, on a prévu des produits comestibles, ouais. Des produits finalement d'épicerie un petit peu pour faire certaines choses. Ouais. Oui et non, c'est sûr que quand on fait du sang, pour la majorité d'entre vous qui font peut-être des films ou qui voient un peu de making-of, ouais. Y a des choses qu'on fait, c'est sûr, avec certains produits d'épicerie. Évidemment, mais aussi on a commandé un produit qui est une sorte de gélatine qui nous permet de faire des produits un peu plus consistants, donc pour ce qui était liquide de pourriture, qui était un peu plus collant, ou vomi, ou même pour le sperme. Et puis, ça coûtait, c'est quoi l'amaretto que ça coûtait, hein? Ça coûtait l'amaretto, en tout cas bref, ça sentait l'amaretto, mais ça coûtait pas l'amaretto, ça coûtait quelque chose de toujours, comme on dirait, de la poudre, là. Pas cette poudre-là, mais l'autre type de poudre. Mais en bref, ça coûtait la poudre, donc on a eu bien du plaisir avec ça, mais je sais que sur le plateau, étant donné qu'on était un petit set, là, on a tous été appelés à mettre les mains là-dedans ou à goûter. Tout taste, yeah.
The taste of amaretto, the smell of amaretto is forever ruined because all of the special effects materials, all the special effects liquids were scented as amaretto, and I used to love amaretto sours, and now the scent of amaretto makes me want to vomit. That's it. It's done. Est-ce qu'on a d'autres questions, s'il vous plaît? Comme vous disiez tantôt, l'image était vraiment sombre. Mm-hmm. Moi, je me demandais justement si c'était volontaire, surtout de le mettre aussi sombre que ça, qu'on voit si peu. Puis en même temps, ça me rappelait un peu des films de Lucifer Valentine, un peu la trilogie mm-hmm. Omega. Est-ce que tu t'es inspiré un peu là? Pas du tout. En fait, je les ai vus, c'est sûr, avec ce que je parlais tout à l'heure pour mon mémoire de maîtrise, tout ça. Je peux comprendre les parallèles que tu effectues pour certaines scènes, entre autres les scènes plus expérimentales, ces trucs-là. Mais comme je le disais, actuellement, c'est vraiment pas aussi sombre. It's not, the picture is not that dark, usually. So you see a lot more. It's all depend on... Every time it depends on project. Ça dépend du projecteur, le screening view. Mais par contre, je vais faire une annonce ce soir. Le film sera distribué par Unearthed Film, qui est la compagnie qui distribue d'ailleurs Slaughtered Vomit. Trilogy, puis toutes ces affaires-là, là, les aftermath de Nacho Cerda et tous ces trucs-là. Donc en Amérique du Nord, ça va être eux qui vont sortir le film. Mais ça n'a pas été une inspiration directe. En fait, les inspirations ont plus été de l'ordre de... bien entendu, vous voyez les références directes à Cronenberg, ça c'est sûr. Budgerheit pour le Nécromantique 2 particulièrement, pour tout ce qui est le temps que tu prends à regarder. Thriller Killer aussi. Pour tout l'aspect plus création artistique, le personnage, puis tout ça. Donc, c'était plus de cet ordre-là au niveau des références cinématographiques qu'on a utilisées. Ouais. Oui. On avait une autre question, monsieur. Là, si je... OK. First, let me say it was a really nice job with the special effects and makeup. Very realistic looking. But my question was, is there an explanation as to what exactly caused the decay? Why it happened? No, because for me, it's not what is important in the film. It's more on the metaphorical kind of ways. So it's more a pretext to talk about something else. So there's no reason why she's rotting, and for me, it's not important, you know. And we had that discussion too, and I said, well, you don't need to know why. There's a why, but you can interpret it. It's more on other metaphorical, or you treat your body psychologically. Yeah. I always interpreted it personally as she's sort of dead on the inside already from just her life, and she's sort of completely detached from everything that's going on, and so her emotional deadness translates to a physical deadness, and she starts to just rot piece by piece because she's nothing inside anymore. So there's not a real explanation, but that's sort of the one that that's the take I always had from it and the sort of way that I thought of it during the film. And that's why too there's a lot of... we talk about sexuality, all that stuff, because most of the time when you read about psychology or everything, when you have to deal with most of the deuil, mourning, you know, grief, there's some several phases, and one of them is like sometimes they say there's an increase in libido because suddenly you must like transmit something so you can like get lifelike and stay in time through your genes and your children. So we there's a lot of all that consideration in the film. Yeah. Monsieur là-bas. We're about cleaning the whole apartment afterwards. That was my job. Yeah, Véronique did. That was my job. Yeah, Fauve, did you came to the... Yeah. You came, Marie-José and me. Everybody, well, you were too. But they were good beers, so... Yeah. The funniest, the greatest job was to scratch on the floor all the liquid, because it all kind of... it durci, là, all the crack and everything. Trying to hide what went in the cracks. Yeah. And a lot of hours of painting. Yeah. And thinking about the future fly that the apartment would have, because a lot of worms just they went where they wanted. We lost worms, so yeah. So I guess the next the person who will rent the apartment after the shooting will probably have a surprise, or we some like weird apologize to that person. Some weird blood between the cracks. All right. Can I the last worm? Earthworm Jim. There was a question as a friend. Yeah. Okay, je vais te demander si tu avais eu des conseils de médecin légiste à propos de la composition. Mm-hmm.
Ben, en fait, c'est sûr que quand j'ai fait mes recherches, j'ai sorti les livres à l'université en médecine et puis tout ça. Mais c'est sûr qu'on a, étant donné que c'est un film, puis en même temps le personnage avait bougé et tout ça, on a pris beaucoup de liberté. Mais le personnage dans le film aussi, on a fait relire le script à une infirmière, à des gens, tu sais, pour voir si ça avait de l'allure et si ça fonctionnait. Donc, effectivement. Puis on a gardé les grandes étapes principales, là, souvent, par exemple, le première partie du film, ben, quand un corps commence à se décomposer, il y a l'apparition justement de certaines taches. Le sang va dans le bout des doigts, donc c'est pour ça qu'elle commence par pourrir par les bouts du corps avant de pourrir par les autres parties, etc., etc. Donc oui, on a fait des recherches sur ça. I'd like to know something. It looks in the movie that you're decomposing slowly, like you didn't accept mentally because you never called for help or anything. Mm-hmm. Can you explain that? That's a difficult one because it does seem really counterintuitive that she would never seek help. Yeah. But I think that sort of speaks to how detached she is from the rest of the world around her and the detached she is from the people around her. Okay. I think she stopped viewing herself as helpable in any way. And so I think she just I don't think it ever occurred to her. She was very envy though. I mean, I think she did just to keep her pieces together. Yeah, I think she was. I think it was sort of a. I just don't think there was logic there. I don't think it was a conscious decision. It's sort of, you know how you make really bad choices sometimes and you're like, well, I could have done this and it would have been way smarter. But you don't do it in the moment. It doesn't occur to you. I simply think it just never really occurred to her because she was that detached from the world. Like she was doing what she needed to do to get by on a daily basis without ever considering what the future portion would come that would bring. Kind of a rush to survive and that's it. Exactly. She was focused purely on keeping herself literally together. As opposed to taking her somewhere beyond that. Thanks. Anyway, she has duct tape. Duct tape fixes everything. Oui, maintenant, c'est quoi la guilde des violonistes funèbres? J'ai vu ça dans le générique, c'est quoi? En fait, c'est Roman Kriwagzek, c'est un musicien en Angleterre. Qui a écrit un livre là-dessus, puis il y a comme une genre de pseudo-controverse autour du fait, c'est est-ce que ça a vraiment existé, le violon funéraire, qui serait une musique qui était faite au fin du Moyen-Âge, début de la Renaissance, justement, dans des cérémonies, tout ça, donc il y a une genre de controverse, est-ce que c'est lui qui l'a inventé, est-ce que ça existait pour de vrai, parce que c'est le seul spécialiste mondial de ça, puis il a enregistré beaucoup d'albums, et puis la musique dans le film, donc c'est pas de la musique originale, c'est la musique qui vient d'un de ses albums. Donc on a contacté Rohan, on a discuté avec lui, tout ça. Puis qu'est-ce qui était le plus fascinant, en fait, c'est quand on était en montage. Ben, en fait, quand on mettait la musique sur les images, ça tente de le raconter. Non. Bon, ben regarde. Il fait du son, donc c'est un homme. Il préfère ne pas le dire. Mais en fait, qu'est-ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à jouer avec la musique, puis on plaçait la musique sur les scènes, on se disait que ça serait intéressant, puis la musique fonctionnait avec les coupes de montage. C'était un peu... bizarre. Ah, ben c'était un peu peur, hein? Tu te souviens? C'était tout le temps comme on mettait la musique, ça fonctionnait, même sans faire de mix, sans avoir coupé, sans avoir... Oui, un petit peu trop weird. Donc c'était parfait, donc c'est la musique parfaite. En même temps, tout le côté violon un peu dur, non poli, de cette musique-là, très mournful, you know, c'est très... donc ça fitait parfaitement avec l'ambiance et ce qu'on essayait de faire là, dans le film. Le film a une ambiance assez... À un certain point, vers la fin, c'était tellement glissant dans l'appartement parce qu'il n'était pas à niveau. Il fallait qu'on se tienne après les murs pour marcher parce qu'on glissait. Il y en avait tellement. On les ramassait ça là, avec les appartements. C'était tout mon voyage. Oui, monsieur. C'est peut-être relatif, c'est peut-être rapport avec la décomposition. Je veux dire, il y a beaucoup de fungus dans le plateau. Nos fluides, les fluides qui passent date dans le frigo parce qu'il faisait vraiment chaud. Ouais. Il fallait refaire les fluides parce qu'il y avait vraiment autre chose qui avait poussé dessus. Qui est bien, qui venait luncher dehors sur le perron. Oui, oui, donc les voisins avaient beaucoup de plaisir parce qu'elles sortaient dehors, toutes maquillées, on ne pouvait pas enlever tout le maquillage. Donc les voisins regardaient
you know, on s'habitue cette tournée, you get used to shoot with you naked because you don't see it anymore. You know? So sometimes she went out but just didn't thought about it because we didn't think about it, you know, so it's with, oh, I need to put the towel or something, people around the children. People were really confused when I would walk outside to the front of the porch and I'd be covered in black goo. And in the beginning it was more entertaining because I would go on the bus and I'd just leave the bruises on and people would look at me like, holy crap, somebody's beating you, you know, like on the bus. But I think they were just more shocked when I stepped out into the front of the building. Yeah, and we were leaving just, the shooting took place just next to your apartment. It wasn't planned, like, we cast him in his role, and then we discovered that we were shooting in the apartment just next to him. So that was kind of a funny joke, too. Yeah. It was cool for him. On a une dernière question, ou quelques dernières questions. Merci. Un, deux. Oui. Oui. Madame? Ouais. Oui. Ben, j'ai remarqué que c'était souvent out of focus. Oui. Je me demandais c'était quoi le meaning derrière ça. Oui, ben c'est dans la première moitié du film, il y a souvent de out of focus, mais c'est un petit peu pour appuyer le fait justement qu'il était un peu pas dans sa vie, qu'il était pas vraiment là, qu'on en faisait pas vraiment partie. Donc tout le reste est au focus. Sauf souvent elle qui ne l'est pas. Puis dans la deuxième partie, elle devient de plus en plus au focus parce que paradoxalement, donc on voit qu'elle reprend un petit peu sur elle-même où elle essaie de faire quelque chose, où elle agit. Donc c'est sûr que là, avec la noirceur, peut-être qu'on l'a perdu un petit peu, mais c'était un petit peu le concept du hors-focus et du focus dans tout le film. Je pense que monsieur avait une question. Dans le fond, oui. Yes, I'm very curious about the dream sequence where you lot of the embalming tools, especially the trocar being used. Mm-hmm. I was curious as to how you did that. Was that fabricated or was that actually an actual embalming? Because I know most funeral homes are, say, very protective of showing any of that sort. Well, in fact, we went to a store. Well, Veronique might answer you better than me, because we went to a store to rent some equipment. The tools were rented. It was something very usual that I could find there that they rent for movies and stuff. So we did the whole shot with just props and tools. Okay. No real the bodies. Troll car move? Sorry? The action of the troll car going through the stomach. The big needle going through the stomach. Yeah, the. How was that done? The big. Sorry. L'aiguille. La grosse aiguille. Well, essentially, just like false skin, false limbs, all that stuff, my answer is kind of maybe not what you want to hear, but it was simply that. And in the dream sequences, there's a lot of editing effects, which were made by Frédéric Maheu, who is a director too, who makes experimental film. So that might explain too sometime some of the effects that came there. Thanks. I'll say that to him. Thanks. On a le temps pour une dernière question. Ouais, une question pour la SPCA, le pitou qu'on voyait en décomposé, comment c'est fait? La plus drôle de cette histoire-là, en fait, c'est un faux squelette en fait, qui a été fait par la BCR en France. Donc, ça a été fait en résine, puis avec des silicone, du plastique. Mais le plus drôle dans cette histoire-là, c'est qu'il m'a envoyé tous les effets spéciaux dans une boîte de France. Donc, il a fallu que j'aille chercher aux douanes canadiennes à l'aéroport. C'était parfait, parce que c'était une grosse boîte. Puis que là, moi, je m'en vais comme tout pimpant, payer mes douanes. Ensuite, tu vas du courtier, tu t'en vas chercher ta boîte aux douanes Canada. Puis là, il prend la feuille, puis il dit bon. Donc, on voit que des ongles, une oreille, un cadavre de chien, un squelette. Comme monsieur, qu'est-ce que tu fais? Oh, on fait un film. Tout ça. En tout cas, bref. Il l'a trouvé bien drôle, mais du coup, parce que je vous en recevais de ces affaires-là. T'sais. Donc c'était assez amusant. Mais les douaniers canadiens étaient bien gentils. Je pense qu'ils auraient peut-être apprécié participer. Tu disais ça, c'était ce petit gun-là. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou non? C'est quoi ton prochain projet?
On en a plusieurs. En fait, on est en train de travailler, moi et Marie-José, sur un scénario de long métrage. On est en train de travailler avec Véronique et Fauve sur une pièce de théâtre, une adaptation. Ensuite de ça, tout c'est très joyeux, bien entendu, tout ça. Il y a 3 projets de court-métrage aussi, parce qu'on veut tourner quelque chose rapidement, si c'est possible, parce que le long-métrage, ben, on n'a pas avant un bon 2 ans avant que ça se fasse, si on trouve les moyens pour le faire. Et en tout cas, moi, je tente pour parler avec une boîte de prod, puis des auteurs pour une adaptation, pour un autre long-métrage. Mais bon, ça a l'air de beaucoup de projets en même temps, mais c'est parce qu'on ne sait jamais le premier qui se fait, donc il faut en faire plusieurs, puis quand ça débloque, tu parles. Mais probablement que qu'est-ce qui va arriver le plus vite dans tous ces projets-là, ça va être la pièce de théâtre, parce que c'est logistiquement, c'est déjà plus simple que de faire un long métrage et de l'écrire et tout ça. Voilà. Donc voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à tout le monde. Merci d'être resté. Donc, si vous avez vu le film, dites à tous vos amis que le film rejoue. Le 3. Oh, yeah. Cool.